Et bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une de mes dernières lectures pour un réveil européen de l'Institut Iliade. Ce petit bouquin que je vois énormément passer sur les réseaux sociaux parce que, oui, bon, on va pas se le cacher quand même, je suis pas mal d'instagrammeurs, de bookstagrammeurs de droite, donc ce bouquin, je le vois passer. Mais en même temps, le triptyque que propose ce bouquin m'intéresse énormément. Philosophiquement, il m'intéresse énormément. Donc, je me suis dit, il va falloir que je l'achète, il va falloir que je le lise pour savoir exactement ce qu'il en est et comprendre vraiment ce que les différents intervenants de ce livre pensent avec ce triptyque nature, excellence, beauté. Je vous lis la déclinaison de ce triptyque, la nature comme socle, l'excellence comme but, et la beauté comme horizon. Ça, c'est un triptyque qui rythme le livre en fait et qui va permettre de poser des bases d'un réveil européen qui mêle à la fois l'histoire européenne mais aussi son avenir. Sur quoi est-ce qu'on peut se baser pour fonder un avenir durable de l'Europe ? Donc évidemment, c'est très critique envers la modernité, mais j'ai trouvé que le bouquin ne se laisse absolument pas happer par la critique. Et au contraire, ça c'est plutôt un bon point, la quasi-totalité du bouquin est une proposition, est une réflexion et une proposition. Ne pensez pas, en achetant ce bouquin, lire une vague critique de la modernité, pas du tout. Au contraire, on fait quasiment fi de la modernité et on parle vraiment de philosophie, on parle vraiment de sociologie, de psychologie parfois pour, si vous voulez, fonder une pensée de l'avenir, une pensée européenne qui puisse à la fois conjuguer le passé, l'histoire européenne et à la fois revaloriser ce qui a fait ce passé dans notre avenir. Donc la nature comme socle. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je pense que c'est pour moi une vérité absolue. Je crois que si l'on veut réellement rebondir dans la modernité, voire même passer un pas, passer à une nouvelle civilisation, il faut absolument qu'on pense la nature. C'est dans l'histoire de l'humanité un sujet qui a beaucoup fait écrire, fait parler aussi. La nature, on peut retrouver évidemment chez Platon, évidemment chez les épicuriens, chez les stoïciens, mais de différentes manières. Et la nature comme socle, ça veut dire quoi? Ça veut finalement dire il ne faut surtout pas prendre le chemin du transhumanisme. Il faut rester humble en fait, c'est ce que disait Lucrèce finalement, rester humble, observer la nature, comprendre la nature, mais ne pas vouloir toujours interférer dans la nature. Et il y a beaucoup d'exemples différents qui montrent qu'en fait l'idéal serait tout simplement de redéfinir la place de l'être humain dans cette nature et de redéfinir sa place en tant que participant à la nature et non pas en tant que supérieur à cette nature. Et je pense que ça, c'est le plus important pour fonder vraiment une nouvelle philosophie, une nouvelle civilisation européenne, occidentale, qui puisse être durable malgré tout ce qui se passe aujourd'hui avec la cancel culture, avec l'extrême gauche totalement délirante. Je pense que ça, c'est un socle en effet qui est très important, la nature. En revanche, moi je suis plus du côté épicurien, c'est-à-dire beaucoup plus du côté matérialiste. Attention, ne confondez pas matérialisme et utilitarisme. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. C'est deux concepts philosophiques qui sont totalement différents. Moi je suis plus pour une nature matérialiste, c'est-à-dire épicurienne, c'est-à-dire atomiste. Comment dire ? Je suis pour une nature vidée des superstitions, je suis pour une nature vidée de croyances. Je suis pour une nature absolument scientifique, absolument mathématique, et je ne suis absolument pas pour une nature transcendante, pour une nature ayant comme, si vous voulez, dominant un dieu ou des dieux. Et malheureusement, dans ce livre, on retrouve régulièrement
un désir de remettre sur le devant de la scène, de revaloriser la religion chrétienne. Et ça, c'est un point fondamental de désaccord que j'ai avec ce bouquin, c'est que je pense qu'en réalité, les religions, c'est terminé. La religion chrétienne, en Occident, c'est terminé. Il y aura évidemment toujours des croyants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Lumières ont achevé, et Nietzsche aussi, le christianisme. Il ne faut pas, je pense, tenter de le faire renaître. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut remplacer le christianisme par une autre religion, par un autre monothéisme ou par d'autres croyances. Je pense qu'il faut absolument se battre contre l'islamisation de l'Europe, mais je pense aussi qu'il ne faut pas tenter de faire renaître le christianisme. Je pense qu'il faut passer à autre chose, et je pense que cette nature comme socle peut très bien s'envisager dans une optique matérialiste épicurienne. Lisez Épicure, lisez Lucrèce surtout, et vous comprendrez exactement de quoi je veux parler. L'excellence comme but. Ça, c'est beaucoup plus une morale et une éthique que chaque individu devrait se réapproprier. Disons que on parle souvent de médiocrité. Aujourd'hui, on va dire toutes les générations parlent de médiocrité, mais il faut dire qu'aujourd'hui, on voit la médiocrité être valorisée. Et l'excellence comme but, c'est finalement une introspection personnelle qui vise à nous dire, à partir de maintenant, mes pensées et mes actes sont déjà cohérents, que tout ce que je vais entreprendre dans ma vie, je vais y aller jusqu'au bout et je vais le faire correctement, de la meilleure manière possible, et toujours avoir ce désir de l'excellence. Alors, il ne faut pas confondre entre l'excellence et chercher à atteindre l'excellence. Je pense que, évidemment, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas faire les choses à la perfection. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection ou on ne peut pas atteindre l'excellence qu'on ne peut pas avoir le désir de le faire. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de dire il faut avoir dans son éthique personnelle un désir de perfection, un désir d'excellence pour approcher cette excellence, même si on ne peut peut-être pas l'atteindre. Encore une fois, malheureusement, on injecte parfois un petit peu de religion pour expliquer que finalement, et c'est pas faux, la religion chrétienne poussait les individus à l'excellence, et ça c'est plutôt vrai, mais je pense qu'on peut très bien faire l'économie de cette morale chrétienne. Et enfin, la beauté comme horizon, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que même si on ne peut pas atteindre l'excellence, il faut avoir ce désir d'excellence. Eh bien, la beauté, finalement, c'est pareil. Il faut toujours se dire que, notamment avec le triptyque grec, hein, kalos kai agathos, donc kalos kai agathos qui veut dire le bien, le bon, le beau, c'est un triptyque qui marche depuis la Grèce antique et qui malheureusement a perdu de la valeur. Et c'est vrai que ce livre tente de réhabiliter, notamment dans la troisième partie, ce triptyque-là, le bien, le beau, le bon. Finalement, chaque action, si elle est juste, doit être belle et doit être bonne. Donc, c'est un triptyque qui, je pense, est très intéressant à réhabiliter. À revaloriser dans une société comme la nôtre qui finalement ne pense plus du tout aux conséquences des actes, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et la beauté, c'est un horizon qui permet préalablement de mettre au cœur de nos actions la justice, la beauté, la bonté, des valeurs comme ça qui concourent à obtenir la beauté de l'action ou la beauté, je sais pas, d'une œuvre ou la beauté ne serait-ce même que de la construction sociale. Il y a comme ça un horizon qui nous permet de rester sur le droit chemin. Et la beauté me semble être une bonne valeur pour définir cet horizon. Alors j'ai plutôt apprécié en fait ce livre, il se lit très très bien, c'est un livre vraiment qui vous permet de répondre à de nombreux sujets de philo. Vous pouvez comme ça tirer à droite à gauche
de nombreuses phrases, de nombreuses citations. C'est un livre collectif, il y a de très nombreux intervenants, chaque intervenant écrit environ 10 pages. Il y a 4 parties, enfin il y a 4 chapitres par partie. Donc il y a 3 parties, hein, la nature, l'excellence, la beauté. Et donc 4 chapitres, un chapitre par intervenant. Et moi j'ai beaucoup aimé les interventions de deux personnes. Alix Marmin, qui écrit un chapitre sur l'idéologie du travail et qui montre qu'en fait, actuellement, l'idéologie du travail est terriblement mortifère. Elle a mis de côté, enfin, oui, l'idéologie a mis de côté l'humanisme qu'il pouvait y avoir dans le travail, et j'ai trouvé vraiment ces 10 petites pages, son petit chapitre à Alix Marmin très 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 intéressant. Et puis il y a un deuxième intervenant que j'ai beaucoup aimé qui est Henri Levavasseur, qui lui écrit 2 chapitres différents, un premier chapitre il me semble dans la nature et un second dans la beauté, et là on peut faire la connexion avec la nature, la beauté. Tout simplement la vie sobre, la vie comme j'ai envie, comme j'aimerais beaucoup la vivre, la vie épicurienne, la vie sans remous, sans vagues, la vie calme, paisible. Et donc Henri Levavasseur écrit 2 petits chapitres dans ce livre qui permet vraiment de comprendre cette pensée-là. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous conseille ce livre. Il est très intéressant, puis c'est l'Institut Iliade, c'est une petite maison d'édition, ça fera toujours vivre des personnes et des chercheurs et des professeurs, des journalistes qui ont à cœur de vouloir revaloriser l'histoire de l'Europe pour un avenir qui est en cohérence, qui pourrait être en cohérence avec le passé que nos ancêtres ont vécu. Et pour cela, vous pouvez très bien les soutenir. C'est un livre qui se lit très vite, j'ai dû lire, ça fait 160 pages à peu près, j'ai dû mettre quelques jours, 5 jours je crois, à lire le bouquin, donc ça se lit très vite, ça se lit très facilement, c'est pas compliqué, c'est pas de la philosophie à tirer par les cheveux, pas du tout, c'est très compréhensible, c'est très simple à la lecture, et donc vraiment, je vous conseille pour un réveil européen de l'Institut Iliade. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.